Papa, tu es esprit. Et nous, c'est pas ça qui m'a empêché la parole. Fais pas sur toute la vie, c'est tout ce que je veux. C'est moi, c'est ça. C'est ça, je crois. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, nous allons prendre le verset. Matthieu 13. Son ennemi vint, sema et livrait parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. Amen. Genèse 1. Verset 4 jusqu'au verset 5. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fini, les premiers jours. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur. Que tu nous donneras, ô Dieu, l'entendement spirituel de ces choses. Car ton prophète dit que la Bible ne doit pas être lue comme un journal, mais c'est un livre qui est venu de l'éternité. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, Seigneur, ta parole dans nos âmes, afin que nous puissions devenir des divins. Que ton nom soit béni, amen. Béni chacun de nous, béni la lecture de la parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous asseoir, merci que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, j'ai un petit sujet que nous allons partager aujourd'hui. Toujours dans le cadre de du premier mystère, le mystère du royaume. Et le sous-titre aujourd'hui, c'est la ségrégation de Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 13, toujours dans cette parabole, Jésus a demandé, les disciples ont demandé, les gens, les travailleurs du champ ont demandé, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que nous allions arracher, livrer. Les maîtres du champ dit, non, laissez-les croître ensemble. Jusqu'au temps de la moisson. Amen. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient enlever le blé pour laisser le blé. Parce que ça ne pouvait pas cohabiter. Vous comprenez? Parce que les livrets empêchent, n'est-ce pas, la croissance du blé. Mais le maître a dit que si vous le faites maintenant, parce qu'il y a la confusion, ça va créer des problèmes,
laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Parce qu'au temps de la moisson, chaque semence produira selon son espèce. Amen. Et le fruit de l'esprit, le frère Madame dit que les pharisiens avaient plus de fruit de l'esprit que Jésus. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est correspondre à la parole révélée de ton jour. Amen. C'est ça le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Les pharisiens, c'était des gens qui ne buvaient pas. C'était les gens qui marchaient bien. Alors, en cela, je ne vais pas dire que quand on est croyant, on doit faire toutes ces choses. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas une preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Et ce n'est pas ça le fruit. Parce que parmi les blancs, il y a des gens sincères qui ne te voleront même pas un franc. Amen. Nous voyons dans le supermarché, quand vous allez acheter quelque chose, même si vous avez oublié votre monnaie, on vous appellera pour vous les donner. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas pour cela qu'ils sont les candidats du ciel. Non, monsieur. Mais le fruit de l'esprit, c'est correspondre à la parole de Dieu. On a posé la question. Que nous allons arracher le blé? Ils ont dit non. Le maître a dit non, mais c'est les trois personnes. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient séparer les blés et les vrais. Amen. Frère Madame dit que Dieu, c'est un ségrégationniste. Dieu sépare. Les deux esprits ne seront plus semblables. C'est dans les âges de l'Église, durant la nuit, que les deux esprits seraient semblables. Amen. C'est là où il y avait des mélanges. Mais l'agneau était sur le trône, il était en train de décider pour ces gens-là. Mais après que l'agneau quitte le trône, il faut qu'il y ait ségrégation. Parce que Christ a dit, le maître Jean dit, laissez les trois ensemble jusqu'au temps de la moisson. Qu'est-ce qu'on va faire au temps de la moisson? On va maintenant arracher le couvrir, les lier en botte pour les brûler. Et les blés seront amassés dans les greniers. Vous voyez? Des fois, dans la Bible de la Genèse 1, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. On avait vu ça dernièrement ici. Les ténèbres, ce sont des hommes. Amen. La lumière aussi, ce sont des hommes. Frère Madame dit que la lumière, c'est quoi? C'est la parole, une promesse qui a été faite. Quand cela se manifeste, c'est ce que nous appelons la lumière. Amen. Et cette lumière-là ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Voilà pourquoi, dans les âges de l'Église, on prenait dans chaque âge, on prenait un groupe de gens qui étaient la lumière, on mettait au grenier. Jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fête, l'enlèvement était maintenant total. Amen. Voilà pourquoi les âges de l'Église, quand vous voyez les chandeliers, il y a une partie lumière et une partie ténèbres. Et toutes les deux lumières, tous les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Amen. Vous avez vu Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ne pouvaient pas cohabiter. Jésus et Judas, ils ne pouvaient pas cohabiter. Amen. C'est ce que j'ai dit, la lumière, la stratégie de la mise à mort. Quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Il n'y a pas de négociation. Voilà pourquoi on cherche toujours à tuer les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont la lumière. Frère, moi je me suis toujours demandé, un homme comme frère Branham, n'est-ce pas? Le frère Branham est né. Il a fait son ministère. Il est mort, il est parti. Il y a des gens qui sont au Congo, partout ailleurs, et qui ne connaissent même pas le frère Branham. Mais ils ont eu une implacable contre le frère Branham. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le frère Branham. Le frère Branham ne l'a jamais escroqué. Mais il n'aime pas le frère Branham. Pourquoi? Quand il parle de frère Branham, ça va être une haine implacable. Vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Amen. Parce que le frère Branham est venu manifester la lumière. Comme ils sont ténèbres, ils ne peuvent pas l'aimer. Amen. Amen. Or, les ténèbres, Jean, la Bible dit que Jean était la lumière. Il est venu parmi les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les pharisiens, les caïphes et compagnie ne pouvaient pas recevoir Jean parce qu'il était de la lumière. C'était une parole promise. Amen. C'était Malachie chapitre 3. Voici, je vous envoie un messager pour préparer mon chemin. C'était Jean qui était le messager en question. C'était lui la promesse donnée et au temps marqué, quand il est devenu une lumière, il a été, n'est-ce pas, séparé des autres. Et on l'a combattu à cause de ça. Jean est venu amener quelque chose qui n'a jamais existé. Jean est venu pour leur dire, venez vous faire baptiser. Dans l'Ancien Testament, on ne baptisait pas.
ça n'a pas été facile pour les pharisiens. Yes. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne baptisent pas. Oui. Ils ont refusé la parole de Jésus. Pourtant, Jean avait l'inspiration de Dieu depuis le désert. Et comme Jean était la lumière, il ne pouvait pas être ami à ces gens-là. On prend Paul. Quand Paul marchait dans les ténèbres avec tous ces couples, il était leur ami. C'est eux qui lui donnaient la lettre pour les massacrer les chrétiens. Mais une fois que Paul rencontre la lumière, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu ennemi à ces gens-là. Or, nulle part dans la Bible, Paul n'a insulté ces gens-là. Jamais. Amen. C'est parce qu'il a vu la lumière, la parole de son jour, qu'il est devenu l'ennemi des autres. Yes. Amen. Dieu, c'est le secret de son esprit. C'est pourquoi nous, frère, c'est pas facile. C'est que nous connaissons. Même si tu as ton frère dans la famille, dis-lui que Jésus est venu. Frère, il peut te lapider. Il peut te lapider. Amen. On ne peut pas cohabiter, c'est impossible. Frère, si les églises du message, soi-disant les églises du message, supportent ici avec ceci, avec peine, qu'en est-il des églises dénominationnelles? Le frère Benham dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, le frère Benham dit ceci. Il dit, dans ceci, la dénomination n'est même pas concernée. Elle est restée loin à l'arrière. Amen. Frère, vous connaissez ce qu'est la dénomination? L'ennemi le plus redoutable de Dieu, c'est la dénomination. Frère Benham dit que la dénomination a eu sa naissance à Babylone. C'était une confusion. Le frère Benham dit que depuis tout ce temps-là, Dieu n'a jamais travaillé avec une dénomination. C'est quoi une dénomination? Dieu révèle quelque chose. Les gens viennent de tout et ils commencent et ils lisent. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. Mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ce prophète? Il a envoyé ce prophète-là pour nous présenter Christ. Parce qu'il était Jean-Baptiste. Oh, nous étions dans les églises du monde. Attendons la venue du Seigneur. Nous sommes venus devant Jean-Baptiste. Nous continuons toujours à attendre. Quand on leur dit que Jean-Baptiste devait accomplir sa mission avant de quitter la scène. Non, non, frère, nous nous attendons. C'est ça la dénomination. Au lieu d'étudier, oh, comment reconnaître le Messie? Le Messie, on ne le reconnaît pas par sa nom. Yes. Oh, toutes les églises attendent quelqu'un de physique de faire des signes. Ils attendent quelqu'un de physique descendre de je ne sais pas, des airs pour aller les rencontrer. Qui sait, je ne sais où. Et c'est ça, ce sont les ténèbres. Comment est-ce que les gens ont reconnu Jésus dans la Bible, les gens ont reconnu Jésus par ce qu'il avait fait. Yes. Si vous ne me croyez pas, croyez en moi les œuvres. Yes. Parce que les œuvres témoignent qui je suis. Amen. On ne peut pas faire confiance aux yeux. Or, toutes les églises, frères, ils attendent Jésus physique. My. Et en cela, Dieu sera un menteur. My. C'est ça qui s'était passé avec les disciples. Ils étaient sur le chemin de Maus, tristes. Ils se disaient que oh, quand le Messie vient là, il venait nous délivrer. Mais le Messie a fait le travail, il est parti, mais on les, ils ont jamais compris ça. Ils attendaient quelque chose qui était déjà accompli. Amen. Amen. Frère, accepte-toi. Je vous dis quelque chose. Il y avait un homme qu'on appelait Jonas. Jonas avait désobéi. Le frère Benham dit que Jonas n'avait pas désobéi. C'était le plan de Dieu. Amen. Disons ça comme ça. Jonas avait désobéi. On l'a envoyé à Ninive. Lui, il est parti à Tarsis. Arrivé en route maintenant, il y a eu une grande tempête. Quand il y a eu cette grande tempête-là, les gens dans le bateau ont commencé à prier. Il priait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et pendant qu'il priait, Jonas était dans son coin tranquille. Parce que lui connaissait. Frère, quand vous priez qui? Frère, attendez. Les Juifs ont rejeté Jésus. Hein? Mais si vous allez là-bas, les Juifs, devant le mur de lamentation, quand ils prient, ils reçoivent. Pourquoi? Parce que Dieu a placé les lois. Quand vous demandez, frère, un musulman peut être guéri divinement. Mais ce n'est pas le salut. Yes. Parce qu'il y a la foi, et nous allons parler de la foi. La foi, c'est une loi et la foi, c'est un don. La foi qui est un don, c'est la foi qui sauve pour le salut. Ouais. Mais la foi qui est une loi, c'est pour la guérison de votre corps. Mm. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais la foi du salut, ce n'est que pour les élus. Ils ont commencé à prier. S'il y avait des musulmans, ils commençaient à la voir. Les hindous, une réunion ecuménique. Et Dieu n'était pas dedans. La tempête continuait. Jonas les a regardés comme ça. C'est Jonas qui avait le sceau. C'est lui qui avait la parole. Amen. Jonas avance et dit que mes amis, vous perdez le temps pour rien. Amen. Il dit,
l'humanisme au péril de l'État. Pourquoi? Parce que moi, je suis la cause du problème. Mm. Vous êtes avec moi? Amen. C'est moi qui suis la cause du problème. C'est parce que j'ai été désobéissant à la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé à l'unir mon Dieu par terre d'Assis. Si vous voulez les calmer, vous n'avez pas envie de prier. Prenez-moi, je demande à l'eau, c'est tout. My. Frère, quand vous priez, il faut savoir pourquoi c'est pour vous. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Dieu ne change jamais sa pensée au niveau de sa, par rapport à sa parole. Quand vous priez, vous demandez c'est quoi la volonté de Dieu pour toi. C'est ça. N'impose pas à Dieu des choses pour toi. Quand les gens prient, oh Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, il impose Dieu. On ne peut pas imposer Dieu. On demande qu'est-ce que Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est ça. Qui te révèle sa volonté. C'est ça la prière. Amen. Et les lois que Dieu a placées sur la terre, qui ne finiront que par s'accomplir. Merci. Oh non, merci pour la place. Vous comprenez? Ils ont prié sans réponse. À un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas dit, prenez-moi, j'ai demandé. On a pris Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Après quelques temps, la tempête s'est calmée. C'était lui la cause du problème. Le frère Branham, quand les gens venaient dans la ligne de prière, vous avez déjà entendu les prières du frère Branham. La prière, c'est d'abord la foi. Quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas quand tu vas au prier. C'est pas ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est demeurer calme dans la parole. Avoir la foi. Amen. Avoir la foi et l'assurance. Amen. Comment il s'appelle? Josué. Quand Josué a arrêté le soleil, il n'a pas prié. Josué a parlé. Yes. Femme a dit que Dieu ne nous doit plus rien. J'ai toujours dit que si vous avez besoin de quelque chose, c'est pour vous. Amen. Le diable ne peut pas s'installer devant vous. Non, le diable n'a aucune puissance aujourd'hui. Amen. Surtout après le retour de Dieu, le diable ne peut rien faire. Yes. Moi, j'ai toujours dit tout ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Amen. Le diable ne peut rien. Il est sans puissance. Amen. Amen. C'est Jonas qui avait la clé. C'est lui qui connaissait. On peut aller à l'église. Mais dans chaque chose que nous faisons, on doit se poser la question. Pourquoi est-ce que nous les faisons? Pourquoi est-ce qu'on les fait? Les gens vont à l'église. Ils vont faire quoi? Ils t'attendent la promesse comme quoi nous serons enlevés. Mais Dieu n'a pas déclenché la rédemption pour l'enlèvement. La rédemption a été déclenchée pour ramener l'homme dans sa position. C'est ça le but de l'enlèvement. C'est ça le but de la rédemption. Pas l'enlèvement. My. Non, parce que les gens ont changé les choses. Les gens pensent maintenant que la rédemption pour nous ramener à l'enlèvement. Oh Seigneur, oh nous attendons. Oh cher frère, préparez-vous pour ce grand jour-là. Le jour de l'enlèvement, ça serait déjà passé. Et vous allez demander, mais Seigneur, tu as dit qu'il y aurait dans le monde. Cela a déjà eu lieu. C'est ça. Parce que les retours du livre nous montrent que la rédemption est arrivée à la fin. Et quand c'est arrivé à la fin, c'est là que Dieu doit faire la ségrégation. Dieu doit séparer. Plus de mélange. Amen. Joseph ne voulait pas se mélanger. Joseph ne s'est pas séparé lui-même. Quand Joseph est venu, il dit que Dieu m'a donné un songe. J'ai vu les étoiles, la lune, tous se prosternaient devant lui. Frère, c'est un grand problème. Vous blâmez les gens. Même les gens qui prennent le message, soit disant. Dites-leur seulement que j'ai fait un songe, j'ai eu un songe, je vous ai vu en train de vous prosterner devant moi. Frère, on va vous l'appeler. Je vais prendre un passage de l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est ce que la Bible dit. La lumière, c'est la parole promise, rendue manifeste. C'est ça la lumière.
Et quand cela arrive, il n'y a aucun rapport avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est celui qui attend les promesses de Dieu par imagination. Frère, nous serons enlevés. Là, son enlèvement. Femme Adam dit que quand Jésus est venu, il dit qu'il était la raison de leur prière. Seigneur, envoie-moi un Messie. Envoie-moi un Messie. Il dit, mais quand il est arrivé, on l'a manqué. Il dit, pourquoi? C'est parce qu'ils avaient leur pensée de la venue du Messie. Au lieu de prendre ce que Dieu a dit, ici aussi, les gens avaient leur pensée. Frère, même un enfant qui est né aujourd'hui demande l'enlèvement de ses raccords. C'est leur enlèvement, c'est comme m'a dit. La fille là m'a dit qu'elle était enlevée. C'était au Portugal. Ouais. Pour les gens de ce monde, c'est ça l'enlèvement. Nous avons disparu. Mais même disparaître la question, quand vous mourrez, mais vous disparaissez. La mémoire du ministre disparaît. Frère, le croyant n'a pas la pensée de Dieu. Les seaux ont été ouverts pour nous ramener la pensée de Dieu. Le croyant, j'ai toujours dit, quand on parle de la mort, le croyant voit les cercueils. Ça, ce n'est pas la mort. Quand on parle de la mort, Dieu n'a jamais vu la mort comme un cercueil. Yes. La mort pour Dieu a toujours été la séparation entre l'homme et Dieu. Yes. C'est ça la mort. Maintenant, la parole de Dieu veut nous ramener ces choses, les gens refusent. Les blés et les vrais ne peuvent plus cohabiter. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'on enterre même le corps des hommes les plus saints. Enfin, si les frères Branham est mort, ce n'est pas toi qui vas échapper. Je te l'ai dit et je te rassure, tu n'échapperas pas. C'est la mort pour nous, c'est une bénédiction, frère. Amen. Amen. Ça n'a jamais été une malédiction pour un enfant de Dieu, la mort. C'est une délivrance. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Il n'y a que la mort qui peut te délivrer. Si la mort arrive, tu es libéré. C'est ça la liberté. Amen. Comme un oiseau qui échappe d'une prison, j'ai m'envolé. C'est ça. Ça, c'est une prison, une maison de pestiférée. Amen. C'est votre ennemi. Yes. Amen. La mort a été c'est une bénédiction. Nous changeons la pensée. Amen. Quand j'ai prêché ça là-bas, les frères Joseph, de la maman des frères Joseph, les frères sont venus. Ah frère, ça a levé la peine de moi. Le diable vous avez eu. Parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous rendra libre. Amen. Parce que la dernière carte de l'ennemi, c'est la mort. Voilà. Amen. Pourquoi ils ont peur d'être malade? Parce qu'ils ont peur de la mort. Mais si toi tu es déjà au-delà de ça. Même la maladie devient quelque chose de petit. My. Parle. Frère, aujourd'hui, Moïse, quand Moïse était devant la mer rouge avec les enfants d'Israël, ils ont vu la mer rouge, ils ont vu le pharaon. Ah, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse, nous allons mourir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse de prier. Non. Dieu a dit à Moïse pourquoi prier? Parle. Nous ne sommes pas dans l'ignorance, aujourd'hui les sources sont ouvertes. Aujourd'hui nous avons toutes les puissances, frère. Chaque chose qui arrive, frère, parle. Toi la puissance. Amen. Non, mais quand tu dis que non, si je parle, est-ce que ce n'est pas ton problème? Si ça arrivera, frère madame dit que même si je pleure pour quelqu'un, on va l'enterrer. Frère madame dit, demain je vais prendre, je vais encore prêcher la guérison divine. Yes. Amen. Si vous allez au cimetière, vous appelez tout celui qui est mort par la médecine, il est venu. Frère madame, il y aura plus de gens qui sont morts à l'hôpital que la guérison divine. Frère madame, et pourtant le médecin n'arrête pas, il continue à traiter les gens. Yes. Yes. Amen. Pourquoi ne criez pas? Nous sommes, nous avons l'autorité. Parce que lorsque l'animal descend, l'autorité était sur son épaule. Amen. L'épaule c'est qui? C'est le corps. Amen. Le corps c'est pas un mot. Amen. C'est-à-dire qu'il a donné à son épouse l'autorité et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire qu'un Dieu qui s'est déversé, le même Dieu qui était Jéhovah en Moïse, le même Dieu qui s'est déversé en Jésus, aujourd'hui, le même Dieu en fait moi. Amen. Mais qui est là en fait? My. C'est une prise de conscience.
L'éternité, c'est ça qui est l'éternité, c'est une prise de conscience. Un homme éternel n'a ni commencement ni fin. Tu n'as jamais commencé et tu finiras jamais. Ce que tu appelles commencement, c'est lorsque tu es né. Non, c'est l'éternité qui est venue dans la chair. Amen. Et la chair, c'est ça le temps. Oui. L'éternité engloutit dans le temps. Yes, sir. Tu laisses le temps pour venir. Yes, sir. Amen. Mais tu ne peux pas arrêter l'éternité. C'est ça qui me permet. My. Tu peux parler de la notion de l'éternité, je vous dis. Amen. L'éternité, c'est ton âme qui est éternelle. Amen. Nous ne sommes pas les créatures du temps. Parce que si tu es une créature de temps, tu ne connais jamais ce message. Amen. Ce message a été envoyé pour les éternels. Amen. Là où nous sommes, mes frères, en ce moment, le message ne concerne que les éternels. Amen. Et les éternels, il y en a seulement petit. Ce n'est pas un grand monde. Amen. Amen. Yes, sir. La Bible dit ceci. 16. Quel est le rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Qu'est-ce qui est impur? C'est ce qui n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une promesse manifestée. Enfin, c'est ça la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas de vous asseoir dans le passé. Frère, si Dieu avait promis quelque chose, même aujourd'hui, Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Aujourd'hui, envoyer Élie le prophète, ce n'est plus une lumière. Amen. Ce n'est plus une lumière. C'est passé. My. Un jour, je recevais un frère. Il dit que si vous allez à la tombe de frère Branham, on a mis une pyramide, on a écrit Malachie chapitre 4. On a écrit, voici, je vous enverrai et le prophète. Il dit, quand vous êtes devant la tombe, vous devez lire maintenant, voici, je vous avais envoyé. Oui, c'est ça. Passé. Parce que la Bible, c'est ça. Les hommes prennent la Bible, ils ont dit, oh frère, là, je vous enverrai. Vous pensez que ça va changer dans la vie? Non. Ça restera comme ça. Reste. Une vierge, conservera. Je vous enverrai les prophètes. Pendant que ça serait déjà passé. Là. Noir sur blanc. Amen. My. Nous sommes dans la lumière du soleil. Vous parlez dans les âges de l'église. La lumière est ténèbre. On doit être la lumière. C'est pourquoi moi, je ne demande pas la chair de quelqu'un. Au bout de la chair de fan. Amen. Alléluia. Amen. Oh, my frère, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes des gens qui avancent avec la révélation. Quand la lumière avance, nous avançons. Nous savons que toute la parole a déjà été révélée. Nous ne sommes qu'en train de découvrir. Sachez qu'après le départ du prophète, rien n'arrive. Ne touchez pas à ce qui est dessus. Amen. Amen. Croyez le message. Arrêtez d'attendre le rendez-vous. Parce que si on devait partir dans l'enlèvement, c'est le frère Branham qui devait être là. Amen. Oui. Parce que Élie partira vivant avec son groupe dans l'enlèvement. Ouais. Amen. Dieu serait injuste de vous amener vous dans l'enlèvement et laisser le frère Branham lui qui est le messager. Ouais. Ah. Ça, c'est quel Dieu? Non, monsieur. Soyons réalistes. Quand vous arrivez à ce moment-là, arrêtez-vous de penser, voilà. Étudiez la parole. Jamais, il n'avait commencé à le faire, madame. Ça n'existe pas. Parce que c'est lui qui est le conducteur de cette âge. Vous voulez partir dans l'enlèvement, mais qui est votre conducteur? Quel pasteur? Tout le monde est grave. Mais les Congolais pensent que c'est eux qui vont lire l'enlèvement. C'est ça que les Congolais pensent. Parce qu'il a une grande église de 15 membres. Et au tigre la paix. Oui. Peu importe le nombre de gens à l'église. Peu importe, frère, je vous dis. Quelle que soit la grandeur de l'église. Vous avez peut-être généralement les pentecôtistes. Mais ils ont des églises comme des stades. Frère, si vous entrez dans le cœur de ces gens-là, ils savent qu'ils font des commerces. Frère, la parole de Dieu, je dis, c'est une business. Je vous dis ce qu'il veut. Ça existait au temps de Jésus. Voilà pourquoi ils ont suivi les militaires pour leur donner l'argent, pour cacher la vérité. Ça existait dans la Bible. Le frère Branham dit que Dieu retire l'homme et pas l'esprit. C'est pourquoi le frère Branham a toujours eu le problème avec les gens.
Autant à la fin de son ministère, il est resté seul. Tout le monde l'a quitté. On a compris que le frère Branham n'était pas un politicien. Le frère Branham était là, il était sincère vis-à-vis de la parole de Dieu. Il marchait dans la lumière, marchait. À un certain moment, le frère Branham pleure chez la prédication, l'état présent du ministère. Le frère Branham pleure. Il dit, tout le monde m'a quitté, même Baxter, qui était chargé de mission de frère Branham, l'a quitté. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à appeler le message du frère Branham, des carottes pour vous. Maï, que Dieu le pardonne. Les dieux du ciel, frère, la colonne de feu, descend pour confirmer des carottes pour eux. Ça n'existe pas. Et le frère Baxter a dit que le frère Branham avait une chirurgie tordue. Que lui, quand il devait prêcher, le frère Branham devait venir seulement pour prier et prier pour le malade. Mais ce n'est pas juste. Les gens comme ça, c'est le bien. C'est lui parce qu'il a dit, frère Branham, je ne comprends pas comment est-ce que Demas avait abandonné Paul. Il ne savait pas que Demas était lui. My. Frère Branham, il dit que non, frère Branham, quand j'irai au ciel, si je rencontre Demas, je vais l'être amassé. Le frère Branham dit au ciel, mais il n'y a pas de magas là-bas. Ne sachant pas que Demas c'était lui, à un certain moment, lui, il a abandonné le frère Branham. Il dit que le frère Branham avait une théologie d'origine. Oui, c'est une théologie d'origine, c'est ce qui fait partie du Seigneur. Amen. Pour les prédestinés, nous voyons les définitions. L'enlèvement, c'est quoi? Nous regardons la définition. Frère, ce n'est pas qu'on parle d'enlèvement. Vous avez seulement les définitions que vous avez données dans les Écritures. Ah, frère, nous avons l'enlèvement. Ah, frère, nous avons la définition. Ce n'est pas ça. Cherchez la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? C'est ça la Bible. Frère, madame, dis ceci. Le titre de la prédication, God's word calls for a total separation from unbelief. Amen. Yo, quand le titre, la parole de Dieu appelle à la séparation totale à l'incrédulité. Il dit ceci. Now, the thought of God's word calling a total separation. La pensée de Dieu, la pensée de la parole de Dieu appelle à une séparation totale. We only know this by as we read the word and see the word manifest itself. Nous ne connaissons pas ce que nous voyons la parole. Quand nous le lisons et nous la voyons, se manifester. Now, in the beginning, Genesis 1:3, au commencement, Genesis 1:3, we found that, nous voyons que there was darkness upon the earth. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. And the Spirit of God moved upon the water. L'Esprit de Dieu a sillonné au-dessus des eaux. And said, let there be light. Il dit, laisse qu'il y ait la lumière. And there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. Dieu a fait que la lumière était bonne. Il les sépare. Vous comprenez? So the word of God began to separate the light from the darkness. La parole de Dieu commence à séparer la lumière du ténèbre. C'est ça, dans le temps de la moisson. Laissez les potes ensemble, mais au temps de la moisson, on va se séparer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arracher les vrais. Le frère Branham dit que les vrais pour les milliers en bon, frère Branham, c'est que le conseil écuménique. Amen. Est-ce qu'il y a le conseil écuménique aujourd'hui? Oui. S'il y a le conseil écuménique, c'est que c'est livré. Et dans ce conseil écuménique, il y a toutes les églises, frères. Depuis l'église catholique jusqu'au pentecôtiste, ils sont là. Et dans cette porte-là, il n'y a pas des enfants de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'enlever de mettre les enfants de Dieu dans la Bible. Parce que la Bible dit que, qu'est-ce qu'on fait? On va lier en boîte. Et le vrai sera amassé dans le monde. Maintenant, vous dites que le conseil écuménique, c'est-à-dire que l'ivré a été déjà lié en boîte, mais le grain n'est pas encore amené au grenier. Et amener au grenier, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est ça le message de frère Branham. Si tu ne le comprends pas comme ça, nous ne sommes pas des bouddhistes. C'est à revoir. Parce que c'est ça qu'on avait dit. L'antichrist, la bête, est déjà devenu la bête. Il est déjà pour nous. Nous avons vu ça. Ça tombe tout pour nous. Mais vous dites que l'épouse n'est pas bonne. Parce que celui qui l'empêchait de se manifester comme la bête, c'était l'épouse.
Il fallait que c'est lui qui l'empêchait puis d'abord le libérer. Lorsqu'elle est partie dans le vent, en ce moment-là, il est devenu la bête. Il est la bête avec la couronne, mais vous dites que l'enlèvement n'est pas pour lui. Enfin, nous avons tout le temps. Amen. Amen. Simplement que nous, on ne se tient pas sur notre propre raisonnement. Nous prenons simplement la parole de Dieu et nous enlèvons nos raisonnements et nous avançons. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons vraiment apprécié la prévention qu'il a utilisée. Lean not to your own understanding. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Les femmes avaient raison de prêcher ça. Amen. Il dit, from the beginning, so does it remain till this day. Depuis le commencement que Dieu a commencé à séparer la lumière et les ténèbres, frère mon ami, cela demeure ainsi même aujourd'hui. Amen. Frère, quand vous allez chez les baptistes, vous dites que oh, nous attendons la venue du Seigneur dans le futur. Ça vous fera pas de problème. Allez chez les pentecôtistes et dites que non, oh, le millénaire viendra, on ne vous fera aucun problème. Tant que c'est dans le futur, c'est bon. Amen. Oh, c'est ça que Jésus a compris. Quand il a pris le rouleau, Jésus, il est arrivé devant les parents. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus est arrivé devant les pharisiens. Il prend maintenant le rouleau, il l'ouvre. Ok? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous proclamez une année de grâce. Quand pendant qu'il disait, tout le monde est regardé, il n'y avait pas de problème. Pendant qu'il disait, personne ne lui faisait de problème. Vous savez, quand est-ce que les problèmes ont commencé? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. C'est là que les problèmes ont commencé, frère. Nous irons à l'enlèvement, frère. Il y aura l'enlèvement. Pas de problème. Va dire simplement, frère. C'est ta problème. L'enlèvement, c'est déjà du passé. My. Là, maintenant, la lumière et les ténèbres doivent se séparer. Parce que ce qui montre quelqu'un comme un enfant de Dieu, c'est qu'il voit la lumière manifestée dans son jour. C'est ça, être fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est une lumière. Le frère Jésus a dit que vous êtes des lumières. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons. On allume une lampe pour la mettre sur la table pour éclairer tout le monde. Vous êtes la lumière. Pour être la lumière, tu dois voir la lumière, la parole de ton jour. Amen. Alors, pour les dénominations, quand on parle de la lumière pour eux, la lumière c'est les ampoules. Laissez-moi avancer. Dans la même prédication, par exemple, now today is God, if God has made a promise, and when that promise is vindicated, si Dieu donne une promesse, fait une promesse, si cette promesse est accompli, then that is the light. Mm. Amen. Amen. Frère, moi je ne fais que prendre les définitions de frère. C'est ça que j'ai toujours dit, non? Tout ce que tu connaissais comme la lumière, mais dès le frère madame donne la définition de la lumière, tu prends la définition, toi tu jettes, tu prends celle de frère madame, tu mets. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. 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 C'est, vous voyez, quand on parle de celle de frère, j'ai écouté la chanson de. Les frères de Saint-Esprit soufflait sur nous. Parce qu'on dit que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Comme un vent dans la chambre, comme pour bien. Le Saint-Esprit s'est défendu. Non. Jésus a dit que je vous appuie, vous êtes avantagé que je m'en ai. Et je vous enverrai la consolation. C'est quelqu'un qui va envoyer, c'est le Père qui va. Vous voyez, vous allez dans l'église dénominationnelle, mais pas un micro. Oh, on est bon. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. La manifestation de ces jours-là, c'était comme un vent perpétué. Mais pas aujourd'hui. La preuve, on dit que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous devez croire à toute la parole. Enfin, tu peux pour toi trembler. Tu peux faire des miracles. Tu peux ressusciter les morts. Mais si tu ne crois pas à toute la parole, tu n'as pas de Saint-Esprit.
My. Ce n'est pas une fois le Saint-Esprit. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Amen. C'est d'abord ce qu'il dit. Mais ce qu'elle lui dit. Alors, ils ont une mauvaise compréhension. C'est pourquoi nous avons parlé de la personnification du Saint-Esprit. Lui, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est le Saint-Esprit. Or, les gens ne peuvent pas vous conduire dans la vérité. Comment est-ce que les gens vous conduire dans la vérité? C'est pourquoi le Père a dit que la preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas par la nage. Jésus est à ce jour-là. Ils me diront, on a guéri les malades à ton âme. On a ressuscité les morts à ton âme. Enfin, il n'y a aucune puissance qui peut ressusciter les morts à Dieu. Pour attaquer Dieu. Mais Jésus dit, loin de moi, je ne vous ai point connu. Pourquoi vous ne commettez pas l'iniquité? Eh, mais Jésus a guéri, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Ce n'est pas celui qui est c'est moi qui l'ai aujourd'hui. Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. My. Tu prends être inquiété, c'est quoi le message de pardon? Paul, Jean dit, race de vipère. Qui vous a appris à faire la colère de Dieu? Allez aller dans le feu de Jérémie, cela a été préparé pour vous. Mm. Tu ne peux pas échapper. Mm. Personne n'est échappé. Celui qui a été destiné pour l'enfer ira dans l'anéantissement. Amen. Celui qui a été préparé pour la vie éternelle, c'est celui-là qui sera bien. Amen. Qui sera sauvé. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une femme. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Ouais. Et cet homme-là, c'est oublié à ma mère. Amen. My. Amen. Amen. La colonne de feu, le même Jésus. Yes, sir. Je vais mettre ça clair. Hein? La colonne de feu, c'est le même Jésus, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui a créé le monde. C'est le même Jésus-Christ qui est revenu dans la chambre haute, qui s'est divisé en lave de feu et qui a habité en Paul, pardon, en Pierre, dans les disciples. N'est-ce pas? Amen. C'était ça le Saint-Esprit. C'était l'infusion du Saint-Esprit. C'était le remplissage de la colonne de feu dans le peuple. C'est ça. Mais toi, tu y es en dehors de la colonne de feu au Saint-Esprit ou autre. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu qui était sur la tête du prophète. Et cette colonne de feu-là, comme étant la parole qui a créé toutes choses, doit venir le miracle. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit la grande puissance qui a appelé le monde à l'existence. C'est le monde à Dieu lui-même. Amen. Frère, si vous avez la grande puissance qui a appelé le monde à l'existence, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui peut tenir devant vous? Amen. Là, la pomme est tranquille, elle est calme. Parce que c'est toi le créateur. Amen. 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 Tu n'as pas de souffrir. Quand je dis que je suis le créateur, ce n'est pas cette chair. Le créateur, c'est moi, c'est le derrière. Amen. C'est la semence prédestinée. Frère Branham dit que quand Jésus était mort à la croix, nous étions en lui. Quand il était crucifié, nous étions en lui. Frère Branham dit même que vous avez payé vous-même votre prix. Amen. Parce que celui qui n'a pas été en Christ à la croix ne sera jamais sauvé. Parce que la rédemption ne le concerne même pas. C'est pourquoi le frère Branham disait le frère, sauve-le. Sauve les sauvables. Il y a des gens qui ne sont pas sauvables. Comme Esaü, il a pleuré jusqu'à la mort. Il a fallu son droit de naissance. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Il ne pouvait pas récupérer ça. Frère Branham dit que Esaü était plus gentil que Jacob. Esaü, c'est lui qui préparait la bouffe pour son papa. Un père aveugle. Jacob faisait ses histoires. Mais le jour du droit de naissance, Frère Branham dit que Dieu a déjà dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes gentil. Amen. Amen. C'est pourquoi nous. Alléluia. Amen. Il s'agit de la prédestination, frère. C'est pourquoi les croyants du message aiment plus la parole. Frère, enfin, la parole, c'est la première chose. Amen. Frère, madame, si vous voulez commencer une église, commencez avec la prière. Non. Commencez avec les campagnes d'évangélisation. Non. Commencez avec la parole. Amen. Tenez-vous à la parole. Parce que le succès, c'est la parole. Frère Branham dit que son ministère avait eu du succès, la parole. Parce que c'était le retour de la parole. Mais contrairement à Frère Branham qui remplissait les gens de ses campagnes, mais à un certain moment, on n'entendait plus parler de lui. Mais c'est là que son ministère avait eu du succès. Après le retour de soi, le Frère Branham n'avait plus beaucoup d'amour. Amen. Mais c'est là qu'il avait eu du succès. Qu'est-ce que Dieu a fait du succès?
Le succès, ce n'est pas être populaire, avoir une grande église. Le succès, c'est avoir la parole. Tout ce que l'humanité attendait, l'ouverture du livre, la rédemption du livre, la rédemption, l'humanité entière attendait ça. Même les animaux attendaient ça. Les hommes attendaient ça. La manifestation du Fils de Dieu. Ça, c'est pour tous les futurs, c'est du passé. Amen. C'est pourquoi la mère apostole, est venue vers les prophètes. Amen. Elle est venue chercher sa guérison. La mère apostole s'est dit, mais il y a des humains, moi je pensais qu'ils étaient témoins. Comment est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un nom de Dieu sur la terre? Maman, ce poisson est venu prendre sa part. Même les petits poissons ont eu sa part. Au temps de Noé, pendant que Noé prêchait la prédication, les animaux comprenaient Noé mieux que les humains. C'est ça. Ah, c'est la Bible. Amen. Les animaux connaissent ce que nous prêchons. Mais l'être humain avec son intelligence, il regarde la paix sa fausse doctrine. Hey. Les gens de Noé ont appelé les messages de Noé fausse doctrine. Mais l'éléphant regarde le fait. Eh, moi j'aime pas. Même les serpents. Même le roi, il vient. Même le coco. Il regarde les gens. Fausse doctrine. Les gens se demandent de Noé. Lorsque la pluie vint, c'était trop tard. Ils sont venus. Oh, Noé ouvre pour l'éléphant qui est allé là. L'antilope est venu. Frère, les animaux ont déjà vu la manifestation du Fils de Dieu. Les arbres ont déjà vu. Il y a un crash jumelé dans le monde des animaux, dans la nature, parce qu'il y a eu déjà une manifestation. Parce que la manifestation qui suscitait Adam qui était restauré. Dieu travaille toujours par représentation. Amen. La condamnation par représentation. Frère, vous serez surpris quand vous allez voir qu'un enlèvement là, une seule personne va être arrêtée, l'épouse entière. Il dit, comme c'était dans le cas de Jean, Jean a représenté toute l'épouse. Amen. Pour créer, Dieu n'a pas créé des millions de gens. Dieu a créé une seule personne. Amen. Parada, tout le monde est venu. Pour sauver les gens, Dieu n'a pas sauvé des milliers de personnes. Dieu a sauvé une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Et à partir de Jésus-Christ, tout le monde est venu. Pour l'enlèvement aussi, c'est pareil. Suivez les prédications de Dieu. Amen. 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 La condamnation par représentation. Amen. Un seul homme est tombé. Nous sommes tous tombés. My. Amen. Moi, je dirais que non, moi, je ne suis pas coupable. Parce que quand Adam est tombé, moi je ne peux pas. C'est ça. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la chute d'Adam. Amen. Ce n'est pas moi, je ne suis pas coupable. Mais comme j'étais pour le représenter en lui, c'est fini. Si je n'accepte pas la chute, non plus je n'accepte. C'est ça. Amen. Condamnation par représentation. Les saluts par représentation. L'enlèvement par représentation. My. C'est ça, Dieu. Amen. C'est ça le monde de Dieu. Yeah. Si tu ne veux pas prendre ça, tu es une séparatiste. Amen. 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 Et après, les anges de l'église, au temps de la moisson, c'est pareil. On ne cherche pas à se faire des amis. On accepte, frère. Même si on est quatre, toi ici, on est tout le temps la parole. Amen. Frère, parce que même si tu as une grande église, les jeux de ton environnement, toi-même dans les cercles. Amen. Si tu laisses l'église, tout ça va avoir réuni là. Voilà. My. C'est pourquoi moi je ne m'établis pas à l'église. Comme je l'ai toujours dit, que ça ce n'est pas une église à l'essence du monde. Amen. Amen. On est ici pour partager la parole de Dieu. C'est que le frère Bernard a dit. Sans limite du frère, il n'y a aucun pasteur qui peut venir nulle part pour nous dicter ce qu'on doit dire ici. Nous prenons ce passé que Bernard a dit. Amen. 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 Si ça nous donnerait des amis, gloire à Dieu. Ça nous fera peur, les amis, gloire à Dieu. Mais nous restons avec le feu. Amen. Amen. C'est bon le message, j'aime. Amen. Amen. Des femmes ont dit ceci. That's the light of the day. When the world is fabricated, the word of the hour is fabricated. Then, God was going to have an earth that he was going to grow vegetation. And he had people upon the earth, and then he spoke and separated the waters from the sea. Then also he
il séparait in Genesis life from death. Donc Dieu, c'est un ségrégationniste. Maintenant, au temps d'Abraham, Abraham aimait tellement l'autre. Ah, l'autre est gentil. Ah, moi j'aime l'autre. Ah. Moi j'ai un oncle qui est vraiment mon ami. Quand j'étais resté à la fille, je me disais, ah, moi j'aime l'autre. Quand je pensais à aller en Europe, le choix du pays, c'était par rapport à mon oncle. Je disais, moi, je, quand j'irai en Europe, je vais vivre en Allemagne. Parce que mon oncle est allemand. Quand je suis arrivé ici, là, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu l'autre oncle qui me dit, oh, mais Léon n'est plus en Allemagne, il est venu en Allemagne. Directement, ma pensée change. C'est comme ça que je suis arrivé en Allemagne. J'ai arrêté le nom, mon oncle. C'est comme ça va. C'est comme ça que je suis arrivé là. On est resté ensemble, frère. Quelle communion. Je l'aime tellement. Jusqu'à ce que Dieu dit non, toi tu ne comprends pas. C'est pas à toi de comprendre. Rien ne marchait. On l'a donné l'autre côté. On est retourné en Allemagne. Ah, mon gars, là je ne veux pas. Après moi je suis venu ici. Quand je suis venu ici, lui, maintenant, lui aussi même beaucoup. Il cherchait à venir ici. Il a envoyé ses trucs ici. Il a envoyé toutes ses histoires pour venir ici. Après ça n'a pas marché. Il est parti en France. On lui a donné. Et maintenant il est en France. J'ai compris simplement que je l'ai aimé séparé ici. Sa bénédiction dépendait de la séparation. Pas se diviser. Quand on parle de la séparation, ce n'est pas se diviser. Mal. Quand on se sépare des gens, on n'est pas des ennemis. Mal. On ne dit pas que les autres frères des ennemis du message, ce sont nos ennemis. Non, non. Ou les gens de la dénomination sont nos ennemis. Non, non, ce n'est pas ce qu'on dit. Amen. Mais nous sommes les ennemis du système qui les acclame. Amen. Amen. La dénomination, c'est comme un bateau qui montre les fausses définitions aux gens. L'autre aimait tellement son neveu. À un certain moment, Dieu lui dit, tu dois te séparer. Il n'a pas écouté. Jusqu'à ce que ce travail en lui. Et les travailleurs de l'autre ont commencé à avoir des problèmes. Il n'y avait aucun problème entre l'autre et Abraham. Il n'y avait aucun problème. Ce sont leurs travailleurs. Ma première église d'abord. Vous voyez? C'est pourquoi il faut se séparer. Si Dieu dit séparez-vous, séparez-vous. C'est simple que ça. Frère Abraham dit que Dieu c'est un ségrégationniste. Frère Abraham dit que vous voyez un homme comme Martin Luther. Tout le monde l'appelle ça. On a mis des statues. Oh, Martin Luther. Mais le frère Abraham dit que Martin Luther a fait des bêtises. Amen. Pas notre Luther, le messager. Martin Luther King. Il a fait des bêtises. Il a emmené son peuple dans la boucherie. Il dit il cherchait le décret. Il dit quelle intégration. Frère Abraham dit que ce peuple noir. Ils avaient la moralité plus que les blancs. Ils cherchent à entrer dans le corps des blancs pour devenir immoral comme les blancs. Mais ça, maintenant, ils devaient rester cette histoire. Et Martin Luther les a amenés à l'immoralité. Regardez les Américains noirs aujourd'hui. Et tout le monde peut dire Martin Luther King. Mais frère, madame, c'était le souverain de Satan. Il devait laisser son peuple dans la position qu'ils avaient. Ouais. Quand le monde regarde. Dieu se regarde autrement. Les frères Abraham n'ont pas marché le mot. Il a parlé de Dieu. Une femme comme Marie Monroe, que tout le monde a condamné. Les frères Abraham dit que c'était une fille de Dieu. Il dit si je l'avais vu, elle allait accepter la parole. Elle allait accepter la parole comme moi. Parce qu'il y avait qui c'est moi, ça n'est pas. Amen. Dieu a sa façon de regarder. C'est ça qu'on a dit. C'est ça que le frère s'est pas changé. La même fenêtre. Moïse regarde, il voit les enfants de Dieu. La même fenêtre, Pharaon regarde, il voit les esclaves. C'était le même genre, dans la même fenêtre, mais le concept. Yes. C'est ça le message. C'est ça la parole de Dieu. Quand vous regardez avec les yeux des humains, vous voyez autre chose. Amen. C'est comme je dis, je parle du temple. Les temples, selon Dieu, n'a jamais été un bâtiment. Amen. Les temples a toujours été un corps. C'était ça qui était de la pensée de Dieu. Quand les gens ont construit les tables et le bâtiment, cela est resté dans la pensée des gens. Ah. Ils pensent qu'on parle de temple, c'est un bâtiment. Non, monsieur. Quand Jésus est venu, c'est quoi il est? Jésus a regardé les temples physiques. Paradoxe, il regarde les temples physiques. Il dit, c'est tout ça pour ses temples. Oh, il ne parlait même pas de ça. Oui, oui. Vous voyez cela? Frère, Dieu, il regarde les temples physiques. Il dit, c'est tout ça pour ça.
laissé Dieu un grand architecte. Mais ça a pris des années. C'est quoi les raisons? C'est les disciples qui connaissaient le secret. Les disciples savaient que quand ils parlaient, c'est parce qu'on les a expliqués. Ils parlaient de son corps. Amen. Et aujourd'hui, les gens sont dans la même situation. Quand on parle du temple qui sera construit pour le millénium, les gens pensent que c'est un bâtiment. Ah, frère! Et vous, ça n'a pas si. Mais comme les canards. Amen. Amen. Ce n'est pas un bâtiment. Les temples, les femmes ont dit que le temple qui sera érigé pour le service de Dieu, c'est l'épouse. Amen. Est-ce que l'épouse, c'est un bâtiment? Non. Mais malgré ça, nous sommes en train de construire les temples, mais ça c'est pour les juifs. C'est pas pour nous. Qu'ils aient adoré là-bas, qu'ils aient offert les animaux là-bas, ils sont dans le judaïsme. Nous sommes au delà du christianisme. Je vais continuer. Je vais continuer. On va continuer pour cela. Jéhovah Jireh, le procureur. Le 9 décembre 1956. Je vais clôturer. Et nous les trouvons donc que Dieu lui avait dit de se séparer, Abraham. Mais toute sa famille est de marcher au milieu de l'étranger. Qui parlait une langue étrangère. Abraham, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Tu vas où, Abraham? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu te déplaces? Non, Dieu a dit. Amen. Dieu a dit. Abraham était obéissant à la parole de Dieu. Il allait là où il ne savait pas. Il partait comme ça, sans connaître la destination. Mais il savait que celui qui avait donné la promesse serait capable de lui montrer la montagne qu'il avait. Mais il devait se séparer. Frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se séparer de ça. Amen. Et nous avons examiné cela. Comment Dieu exigeait la séparation? Quand vous devenez un chrétien, vous devez vous séparer de vos associés pécheurs. Amen. Qui est pécheur? Ce n'est pas celui. Fais par exemple, ça ce sont les attributs du péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Vous devez vous séparer de toute incrédulité. Qui ne croit pas la parole faite chair? La parole d'aujourd'hui. Wow. Ça dit faite chair en toi et en moi. Pas dans les frères, bon, ça dit pas. Amen. Le frère Madame dit, quand vous devenez un chrétien, vous devez vous séparer de vos associés pécheurs. C'est tout à fait vrai. Sortez du milieu de vos peuples, séparez-vous du Seigneur. C'est une marche différente. Amen. C'est une marche individuelle. Amen. C'est une marche que vous effectuez avec Dieu seul. Et Dieu sur la parole. Amen. Et uniquement vous et lui. Il n'y a que Dieu qui peut parcourir cette route, c'est vous et lui. C'est une marche personnelle entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que les déclarations que vous allez faire, frère, ils ne vont jamais accepter ça. Vous pouvez être ami avec quelqu'un, vous pouvez être des grands amis, mais si tu lui dis ce que Dieu a fait aujourd'hui, frère, il devient ton ami. Automatiquement. C'est pourquoi vous devez rester comme vous êtes lumière. Restez avec la lumière. Amen. C'est pourquoi quand vous allez quelque part, vous trouvez un gens quelqu'un en train de mentir les gens. Ok? Je vous cite, dès que vous amenez la lumière, le mesure n'aura plus de valeur. Automatiquement. Quand on amène cette parole quelque part, les gens disent que ah, je n'ai jamais fait une chose comme ça. J'avais un ami au travail. Quand je lui parlais de Dieu, mais mon pasteur ne prêche pas comme ça. Il est arrivé à la loi du contraste. Pour lui, la parole était celle que son pasteur a enseignée. Il revenait avec des questions. Il dit que même, nous sommes sauvés par la grâce. Mais tout le monde peut être sauvé parce que c'est la grâce. Moi, je lui dis la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme une grâce. Moi, je suis. Je vais donner l'exemple d'Abraham Lincoln. On a signé le papier. C'était une grâce. Mais le monsieur devait l'accepter. Moi, aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète. C'était la grâce. Frère Madame dit que Israël a demandé la loi au lieu de la grâce.
Parce que la grâce d'Israël, c'était Moïse. Quand on parle de la grâce, la grâce est une personne. Sans grâce, c'est une personne. Amen. Amen. La grâce pour Israël, c'était qui? C'était Moïse. La grâce pour une famille, c'est le papa. C'est pourquoi le papa, il est la lumière de la maison. Il doit éclairer toute sa famille. C'est pourquoi le frère Madame chantait, n'oubliez pas la prière en famille. Restez avec les enfants en prière chaque soir avant d'aller au lit. C'est une parole qui est plantée dans la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Frère, il vient faire chanter.